amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 13 novembre. Donc on va pouvoir noter sur le calendrier que il neige. C'est simple. Nous avons de la neige les amis. Ça y est. Donc ça y est, je pense que je vais devoir sortir mes sorelles. Merde. C'est clair. Donc ce matin, en pleine forme, sauf que on a dû ressortir les gros pulls et les gros blousons. J'ai pas encore ressorti les bottes, mais non, mais là, je fais de la résistance, hein, je vous le dis. Donc on attend la prof d'Olivia qui vient lui faire son cours particulier, qui vient faire son suivi CNED en fait. Réunion d'hier soir, super bien passé. Bon, à part que le prof de ballet, c'est un Américain qui parle pas français. Donc, autant vous dire que pour échanger sur votre enfant, c'est quand même compliqué quand vous ne parlez pas la langue. Heureusement que mon mari était là. Et ça va, il se débrouille, quoi. Sinon, de toute façon, pour dire que tout va bien, c'est universel. Donc, en fait, tout va bien, c'est le principal. Elle a fait beaucoup de progrès par rapport à ses cours de danse en France, donc on est plutôt content. Par contre, mauvaise nouvelle, elle ne peut pas arrêter de danser au mois de juillet. Elle va devoir, je vous change de bras, ça fait mal, elle va devoir continuer à danser parce qu'elle ne peut pas faire une rupture comme ça trop franche. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une école de ballet en France. Une école de danse qui veuille bien la prendre pour un stage par exemple. Oui, donc aujourd'hui nous avons Jazz Club. C'est plutôt sympa. Jazz Club, on a une petite bougie Bass & Body Works que j'ai échangée. C'était celle qui était dans mon salon et je la fais brûler ici, Mineral Spring. Donc faut qu'on se dépêche. La bougie feu de bois, une tuerie. Ça sent vraiment le feu de bois, donc je l'ai mis dans mon salon. Comme ça on aura l'impression d'avoir une cheminée. Ce que je voulais vous dire d'autre, moi je suis prête à travailler. Donc quand c'est comme ça, je travaille en bas. Comme ça je les laisse tranquilles dans la chambre d'Olivia et je les perturbe pas. Je comptais sortir ce matin. Je me tâte, j'avais envie d'aller dans un magasin de déco près de chez moi. Donc je ne sais pas, je vais voir. Donc voilà, voilou pour ce matin. Je vais commencer à faire mes petites affaires. Enfin, j'ai déjà rangé la maison, fait les lits, déposé mon loulou à l'école, préparé. Donc maintenant, c'est soit je me mets à bosser sur mon article. Mon journal de bord d'octobre, hein, puisqu'on est mi-novembre, il serait peut-être temps que je le publie. Soit je vais dans un magasin de déco pour continuer à aménager mon bureau, je ne sais pas. Enfin bref, je vous tiens au courant et je vous dis à bientôt. Au final, j'ai décidé de bouger ce matin. Malgré la neige, bon, c'est quelques flocons, hein, faut pas déconner, mais je pense que j'ai eu une mauvaise idée parce que je suis dans les bouchons tout simplement. Donc comme d'habitude, Montréal c'est des bouchons jusque 9h30-10h. Ensuite c'est un peu plus fluide. Ensuite les bouchons reprennent vers 13h jusque 15h30. Enfin bref, c'est l'horreur. Donc j'essaye de bouger dans ces créneaux là, mais c'est pas toujours évident. Donc là, conclusion, je suis dans les bouchons. Bon, je vous reprends au marché central, vous montrer un petit peu le coin et puis je vous dis à tout de suite.
Donc HomeSense, c'est quoi? C'est un magasin de déco, vêtements, aménagement de la maison. Donc c'est que des marques, mais dégriffé en fait. Tous les magasins doivent revendre à HomeSense leur invendu, j'ai envie de dire, pour être un peu plus précise. Donc voilà, moi je vous abandonne ici. Et puis je vous dis à tout à l'heure sûrement à la maison. On est arrivé à la maison les gars et Tiki et Tac sont toujours là. Donc quand ils sont pas devant la porte, ils sont dans mon jardin. Donc il y en a un noir et un gris là, gris marron. Voilà, ils sont toujours là, je sais pas. Donc souvent ils sont devant ma porte là, mais bon. Bon, juste pour vous dire, je suis rentrée, hein, je vous prends juste après. Pour vous montrer mes trouvailles. Donc on se retrouve, je vous ai posé dans ma cuisine avec mon spot frigo américain. Je pourrais peut-être trouver un autre spot, mais bon. Bref, tout ça pour vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé chez HomeSense. Même si j'y allais pas forcément pour trouver des trucs, mais bon. Donc j'ai pris une fausse plante grasse. Que j'ai payé 15$ à peu près, puisque mes plantes grasses qui se trouvent juste là-bas, je sais pas si vous pouvez voir, elles ne tiennent pas le coup, à part mon aloe vera là, qui est un peu je sais pas, il fait un peu la gueule, il est un peu en mode j'ai pas envie de relever la tête. Donc j'avais envie de mettre une j'avais envie de faire un petit coin plante là, mais je me suis dit, non, tant pis, je vais mettre des fausses. Il fait quand même bien la blague, non? Je trouve. De loin, ça ira. Bon, bref, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. J'ai pris un petit... Comment ça s'appelle? Un petit tableau lumineux à message pour ma puce. Parce que ça fait hyper longtemps qu'elle en veut. Hein. Et j'ai payé 12,99$. Donc, autant vous dire que c'était une affaire. On a une serviette pour les cheveux. Même si j'ai l'impression que ça sèche rien, moi, cette matière. Je sais pas. J'ai l'impression que mes cheveux sont pas secs avec ça. Bon. Je vais retenter l'expérience. On verra. Ah, j'ai horreur de toucher ça. Ça me fait tout bizarre. Ça part bien. Ensuite, dans ce bric-à-brac, la HomeSense. Il y a HomeSense et Winner, c'est les deux mêmes chaînes qui sont côte à côte d'ailleurs. Donc j'ai fait le deuxième Winner. Donc il y a plein de... C'est un bric-à-brac de marque quoi. Déco, fringues, etc. Donc j'ai été faire un tour dans les fringues, mais il y en a partout. Donc en fait, moi je fais les allées comme ça et puis à l'œil, je vois à peu près s'il y a un truc qui pourrait m'intéresser, genre un pull en cachemire ou une couleur qui m'attire ou un truc comme ça, donc je pioche. Et là, je suis tombée sur ce petit pull rose et rouge. J'adore le rose et le rouge. Flashy, un petit sweat. Alors, je ne sais pas ce qu'on voit à la caméra, on le voit en fluo, hein, mais il n'est pas fluo, il est rose, un peu rose bonbon, super chouette. C'est un Guess, beaucoup moi la marque Guess, autant vous dire que dans les boutiques ici je ne rentre jamais. Je me suis dit 24$ pour un petit Guess, bah oui pourquoi pas, surtout que je le trouve super sympa. Mon chauve-souris c'est le genre de pull vous voyez, que j'aime beaucoup, qui met plutôt en valeur. Pour ça, et évidemment je ne sors jamais sans trouver une petite paire de chaussures malheureusement. Alors, en fait je voulais remplacer mes petites bouts de sandin parce qu'ici j'ai froid aux pieds, elles sont toutes fines et je suis tombée sur cette petite paire avec des petits détails un peu brillants. La semelle est assez grosse donc j'aurais pas froid aux pieds et elle est toute doublée à l'intérieur. Une espèce de velours. Donc je les ai trouvées super sympas. Puis en plus, elles étaient soldées. Donc elles étaient à 99$ quand même. Oui, et je les ai eues à 64. Elles sont... Et je les trouvais vraiment super belles. Les petits détails ici, je sais pas si on verra bien. Les petits détails, c'est un peu pailleté ici sur les côtés.
Et franchement, la semelle, bah, pour ici, c'est super. Donc, je vais bien les imperméabiliser. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai mes bleus marines, je les ai bousillés. J'en ai des petites bleus marines, mais avec une petite semelle. Ici, je les ai bousillés, puis j'ai froid au pied avec, quoi, c'est clair. Donc voilà, je me suis dit, petite paire de boots. Bon, écoutez, sur ce, bah, moi, je vais préparer à manger pour ma petite poulette, parce qu'il est déjà fin de matinée. Et puis, je vous dis, peut-être à cet après-midi, il faudra peut-être quand même que je bosse un petit peu. Enfin, en tout cas, que je finisse mes articles. Et puis, même si j'ai pas trop de courage aujourd'hui, j'ai deux paniers de repassage, donc j'ai le choix. Soit je repasse, soit je me mets sur mon ordi, ou soit je glande sur Netflix. C'est bon. Bon, écoutez, je vous dis à très vite. Alors, coucou tout le monde. On se retrouve dans le noir complet. J'en suis désolée, mais il est 17h46 pour être précise. Donc je reprends, c'était ma petite puce qui appelait parce que j'étais en retard. Et je n'ai pas filmé aujourd'hui, bah, c'était un peu la galère en fait. Enfin la galère, comment dire. J'avais prévu plusieurs choses, notamment de travailler sur mon blog, mais j'ai pas eu tellement le temps. Puisque j'ai eu, donc ça c'est super, hein, j'ai eu ma copine Coco, ma copine, ma meilleure amie Sandrine, j'ai eu ma maman au téléphone, j'ai bien passé 2 heures au téléphone, donc ça a bien entamé mon après-midi. Ensuite, je me suis mise sur mon blog, hein, mais il était déjà 16h, donc j'ai continué mon article sur octobre, que j'ai pratiquement fini. Donc je vais pouvoir le mettre en ligne, je suis contente. Et après, j'ai décidé que ma barre de menu ne me convenait plus, donc fallait que je la change. Et donc quand je suis en lien avec le support WordPress, là, pour des plombes. Donc là, j'ai dû arrêter la conversation parce que bah, Olivia m'attend métro. Qu'est-ce que ça donne, Étain? Oui, c'est mieux, hein. Vous êtes moins effrayés, non? Donc... voilà, donc je disais, elle m'attend métro, donc j'ai dû arrêter la conversation. Ceci dit, le support WordPress, mais franchement, c'est topissime. Ils sont, ils trouvent des solutions à tout, je sais pas comment ils font. C'est canon. Oui, je me préfère dans la pénombre, donc vous me verrez une fois à la lumière des feux, une fois dans la pénombre. Donc voilà, c'est décidé. Non, rien de spécial, oui, à part que j'ai passé mon après-midi... au téléphone et puis à faire mon blog, donc là ça va être retour à la maison, ça va être le repas pour tutti la familia et puis voilà quoi, la journée est passée encore super vite. Bon, on se retrouve demain matin, je vais au sport, je vais morfler mais ça rase comme on dit, puisque maintenant je vais plus qu'une fois par semaine. Parce que je ne me sentais pas d'y aller deux fois, c'est quand même assez physique le crossfit. Donc je me suis dit non, il faut quand même que j'y aille mollo. J'avais hyper mal au dos, donc j'ai dû arrêter mes 2 séances par semaine. Et 1 séance par semaine, c'est pas assez, c'est trop de courbatures après. Quoi. Le corps, il a pas le temps de s'habituer au rythme qu'avec 1 séance par semaine, 2 séances par semaine, le corps il s'habitue aux étirements et tout ça. Mais une séance, non, donc j'ai des courbatures de folie. Bien écoutez, sur ce, je vous dis bonne soirée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches, comme d'habitude. Et puis, à demain. Bisous.